Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du Cercle Colbert, qui est le troisième de notre trilogie sur le plan de relance. Le premier a été consacré au plan de relance et à la transition écologique, le deuxième au plan de relance et au rôle des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux. Et ce troisième webinaire sur le plan de relance est organisé avec la Fondation Jean Jaurès. Je salue ici nos amis Jérémy Pelletier, qui a organisé avec moi, enfin qui a mobilisé les forces vives sur ces sujets des experts de la Fondation Jean Jaurès, et bien sûr Gilles Finkelstein, son directeur, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous avons, pour ce débat sur le thème de la place de la solidarité dans le plan de relance, comme vous le savez, indirectement, la solidarité et la cohésion sont officiellement un des trois grands thèmes et des trois grandes priorités du plan de relance, à côté de l'écologie et de la compétitivité. Nous allons essayer de voir devant les mesures qui ont été annoncées. On a annoncé 600 millions pour l'insertion professionnelle des jeunes, 100 millions pour les associations qui luttent contre la pauvreté, des mesures pour les parcours emploi compétences, des mesures pour augmenter de 100 000 jeunes le nombre de jeunes bénéficiant du service civique. Est-ce que ces mesures correspondent aux attentes des Français en termes de solidarité, et qu'est-ce qui pourrait manquer? Voilà, sachant qu'il va falloir faire une analyse un peu plus fine. Nous avons pour en parler ce soir trois experts de la Fondation Jean Jaurès. On commencera par une analyse de l'opinion avec Antoine Bristielle, qui est le directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation, qui s'appuiera sur des sondages et notamment sur les études que la Fondation fait chaque année, Fractures Sociales, pour nous donner un retour sur la perception des Français du plan de relance sur ces questions de solidarité. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi Jérôme Guedj, qui est le directeur de l'Observatoire des politiques sociales de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Jérôme. Nous sommes aussi particulièrement heureux d'accueillir Emmanuelle Cosse, qui est avec nous ce soir, qui est directrice de l'Observatoire de la transition énergétique et sociale de la Fondation Jean Jaurès, qui a été, comme vous le savez, ministre du Logement et qui est présidente depuis l'année dernière de l'Union sociale pour l'habitat. Et puis, je vais commencer par donner la parole à Maximilien Pellegrini, qui est le coprésident du Cercle Colbert et qui va nous dire un mot d'accueil et d'introduction. Et puis nous enchaînerons ensuite directement avec Antoine Bristielle. Donc les prises de parole sont relativement courtes, 5 à 10 minutes. Enfin, nous ne sommes pas très nombreux, prenez le temps qu'il vous faudra, mais essayons d'être un peu de faire quelque chose qui soit un peu vivant et dynamique. Et puis dans la deuxième partie, nous donnerons la parole, nous ouvrirons la discussion avec déjà les participants de la Fondation et du Cercle Colbert qui sont avec nous ce soir. Là, je vois Soraya Jebari, Nicolas Buchou aussi, parmi les gens du Cercle Colbert que je n'ai pas encore cités. Et aussi, nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube, et Léo nous transmettra les questions, comme d'habitude, sur la discussion de la chaîne YouTube. Voilà. Donc, Max, si tu veux bien nous dire un mot d'introduction, la parole est à toi. Merci Henri. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette troisième session qui est un beau sujet, la place de la solidarité dans le plan de relance. Je pense que on a réussi lors des sessions précédentes à avoir de beaux débats, de beaux éclairages, et je suis sûr que ce sera le cas encore ce soir, sur un beau sujet qui interroge beaucoup, la solidarité. Est-ce qu'on parle d'obligation morale? Est-ce qu'on parle de dépendance, d'interdépendance? Je suis évidemment ravi d'accueillir la Fondation Jean Jaurès et l'ensemble des intervenants pour essayer de nous éclairer sur ce sujet. Je crois que la pandémie nous a tous interrogés, questionnés profondément. Sur le sujet de la solidarité, j'observe qu'elle a permis certaines avancées, notamment sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la culture du partage. Le cercle Colbert, grâce au digital et à Henri, est toujours aussi dynamique. Donc, on partage pas moins qu'avant la pandémie, voire un peu plus. Donc, c'est quelque chose d'important. On observe aussi une certaine empathie, bienveillance à l'égard de nos anciens, une forme de solidarité aussi dans la famille. La reconnaissance de certains métiers essentiels, certains salariés dans cette pandémie où ils ont été au premier fond, et puis des sujets de relocalisation un peu plus d'actualité sur d'autres types de solidarité par rapport à certaines souverainetés. En revanche, il y a aussi des effets un peu plus difficiles sur ces pandémies. La mondialisation et certaines questions stratégiques, je ne reviendrai pas sur la question des médicaments, mais là aussi on se rend bien compte que les systèmes de mondialisation ont été au bout. On est par exemple tous aujourd'hui confrontés à une pénurie de semi-conducteurs qui pose certaines industries dans l'impasse. La place de l'Europe, on est quand même contraint d'y réfléchir, forcé de constater qu'elle est là aussi face à certaines difficultés. Et puis, l'inégalité de certaines régions de France par rapport à une économie soumise aussi au changement climatique, dérèglement climatique, le tourisme. On se rend bien compte que c'est un peu dur aujourd'hui pour les stations de ski. Leur business model est en train d'évoluer fortement. Et puis, d'autres inégalités, absence de solidarité. Je pense au télétravail qui isole, qui place les collaborateurs d'entreprises face à des situations inégales sur le plan de l'espace de travail, de l'environnement. Évidemment, les sujets d'éducation, la fracture de l'éducation se manifeste. C'est pas facile pour les parents, c'est pas facile pour certains enfants. On se rend compte là aussi que les enfants qui sont dans des environnements socio-culturels privilégiés résistent un peu mieux que ceux pour lesquels c'est un peu plus difficile. Donc, du bon, du moins bon, mais en tout cas, on voit bien que cette question de la solidarité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui se manifeste sous différents visages. Moi, j'ai plutôt envie de poser des questions. En tout cas, il y en a trois qui me paraissent intéressantes. Le sujet de fond, c'est comment on fait en sorte que le plan de relance, les plans de relance, il y a évidemment le plan de relance européen, le plan de relance français, et puis maintenant celui de Biden, comment le plan de relance n'arrive pas à une situation où les inégalités qui vont croissantes et qui se manifestent soient encore plus exacerbées. Bon, il y a quand même des chiffres aujourd'hui qu'il faut tenir compte. On constate, je crois, c'est le FMI qui le dit, 3% de réduction du revenu mondial. Bon, comment on fait en sorte, encore une fois, que ce plan de relance keynésien, accepté par tous, réengage évidemment l'économie mais n'arrive pas au bout du bout avec des inégalités qui sont encore plus croissantes. Bon, pas facile. La deuxième question, c'est sans doute la question du financement, de la taxation. Moi, j'observe avec beaucoup d'attention le fait que 504 organisations mondiales ont écrit au FMI pour lui demander de revoir leurs conditions de financement et de prêt au gouvernement et en leur incitant à avoir un plan de solidarité, en tout cas pour réduire les inégalités. Donc, on sent bien que voilà, il y a de l'argent, il y a un plan de financement, mais in fine, il va falloir que tout le monde y bénéficie sur des sujets de solidarité et d'interdépendance pour qu'il n'y ait pas trop de laisser pour compte, parce qu'on sait très bien que si les tensions sociales sont vives, exacerbées, peu importe comment repart l'économie, évidemment, tout ça va être compliqué. Et puis, la troisième question qui m'interroge, plus en tant que chef d'entreprise, c'est la répartition de la valeur. À un moment donné où il va falloir aussi, sans doute, redistribuer, pas uniquement fiscalement, mais socialement, comment on peut faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, et pas uniquement les actionnaires, soient intéressés et soient contributeurs à la richesse créée par rapport à l'ensemble des plans de relance. Donc, c'est un sujet passionnant, je ne veux pas être trop long, en tout cas il me passionne. Je suis évidemment très impatient d'écouter les uns des autres pour voir comment on peut faire en sorte que ce plan de relance permette de réduire un petit peu les inégalités qui n'ont eu de cesse d'augmenter ces 10 à 15 dernières années. Voilà, j'en ai terminé et je suis impatient de vous écouter. Merci beaucoup, Max. Donc sans transition, je donne la parole à Antoine Bristielle qui va nous fixer un peu le cadre de l'opinion, un cadre un peu scientifique qui servira de base à notre discussion à la suite de son intervention. Antoine, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous mettre mon PowerPoint tout de suite. Voilà, je pense que ça fonctionne comme ça. Très bien. Alors, oui, quand on essaye de regarder l'état un petit peu de l'opinion concernant la question de la solidarité et concernant le plan de relance, on se rend compte assez rapidement que c'est difficile de pouvoir lier les deux dimensions, tant il y a peu d'études qui ont été faites sur la question du plan du plan de relance et sur la place de la solidarité dans celui-là. Donc, je vais essayer dans un premier temps de vous présenter brièvement comment les Français se positionnent sur ce plan de relance, et puis après on en arrivera dans une seconde partie à la question de la solidarité. Ce que l'on remarque tout d'abord, c'est que le plan de relance est globalement très bien perçu par l'opinion publique. Alors, par exemple, il y a 61% des Français qui disent que c'est plutôt un bon plan de relance, même 10% qui disent que c'est un très bon plan de relance, 70% d'avis qui sont extrêmement positifs par rapport à ce plan de relance, et on voit qu'on a une division de l'opinion publique en fonction de la proximité avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'on juge que c'est un bon plan de relance lorsqu'on est proche de La République En Marche, et puis évidemment, plus on s'écarte du centre du pouvoir, plus on va vers les marges électorales, moins on juge que c'est quelque chose de positif. Néanmoins, on remarque que même au sein de la France Insoumise et au sein du Rassemblement National, c'est plutôt un avis qui est positif par rapport à ce plan de relance. Ensuite, on voit assez rapidement qu'on a une opinion qui est assez inégale selon le type d'enjeu. Par exemple, les Français sont beaucoup moins optimistes concernant le fait que ce plan permettra d'éviter les licenciements, voire de renforcer le système de santé. Mais au contraire, ils sont beaucoup plus positifs quand ils considèrent que ça permettra de favoriser l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, voire de protéger les entreprises. Et ce qu'on voit également, c'est que, alors forcément, c'est aussi dans la façon dont les questions ont été cadrées par l'Institut de sondage qui s'est chargé de l'enquête, mais la question de la solidarité, ce n'est pas forcément ce qui va ressortir le plus lorsque l'on va évoquer ce plan de relance à la population française. Donc c'est certainement aussi le cadrage médiatique qu'il y a pu avoir au moment où ce plan a été présenté aux Français. Donc néanmoins, on remarque qu'on a globalement une inquiétude qui est assez relative concernant l'aspect financier du plan de relance. C'est-à-dire que voilà, les Français considèrent bien que 100 milliards investis par l'État, c'est une somme qui est extrêmement importante. Et lorsque le gouvernement s'engage en parallèle de ne pas augmenter les impôts, les Français sont quand même assez sceptiques concernant le fait que ça ne se traduise pas en augmentation d'impôts. C'est-à-dire qu'il y a 44% qui croient que le gouvernement ne respectera plutôt pas cet engagement. Il y a même un quart qui considère qu'il ne croit pas du tout que le gouvernement respectera cet engagement. Donc il y a un léger scepticisme concernant cet aspect financier, mais néanmoins, ça n'empêche pas, comme on le voyait dans la diapositive précédente, d'avoir une acceptation majeure du plan de relance. Et lorsque l'on demande également est-ce qu'il aurait mieux fallu limiter le coût de ce plan de relance car le remboursement de la dette va peser sur les générations futures, ou plutôt si un plan de relance massif était nécessaire pour éviter un effondrement de notre économie, on voit que finalement on a une division de la société française à ce niveau-là, avec globalement un Français sur deux qui pense que il aurait peut-être fallu être un petit peu plus prudent concernant le plan de relance, et l'autre Français qui considère que c'était nécessaire pour éviter l'effondrement de l'économie. Et à nouveau, on voit qu'on a une vraie politisation partisane de l'enjeu, puisque c'est à nouveau plus on est proche de La République En Marche, plus on va avoir tendance à le juger positivement, et plus on s'écarte du centre du pouvoir, plus on va avoir tendance à le juger négativement. Et même pour les proches de la France Insoumise, ils sont majoritaires à considérer que la problématique de la dette va peser sur les générations futures. Donc on est encore avec un plan qui globalement est bien accepté au sein de l'opinion publique, mais il y a cet aspect financier qui pose problème à une partie de l'opinion publique parce que la question s'est politisée. Donc voilà pour cette présentation rapide de comment les Français considèrent le plan de relance. On va maintenant s'intéresser plus en avant à la question de la solidarité. Comment les Français considèrent la question de la solidarité. Donc pour ça, on a l'étude Fractures Françaises qui est réalisée chaque année par la Fondation Jean Jaurès qui délègue le travail à Ipsos. Et on voit, lorsque l'on demande à la population française, est-ce qu'on évolue vers trop d'assistanat ou est-ce solidarité envers les gens qui en ont besoin. On voit que depuis quelques années, depuis le début du quinquennat Macron en l'occurrence, on a une augmentation de l'idée qu'il n'y a pas assez de solidarité envers les gens qui en ont besoin. On est passé de 30 à 39% sur cette question-là. Néanmoins, malgré tout, on perçoit bien que on a un soutien qui augmente par rapport à ce grand principe de solidarité sociale, mais que demeure quand même l'idée que, demeure la crainte d'une société qui tirerait vers l'assistanat. Et on remarque également que sur cette question-là, on a une vraie division de l'axe, une vraie division de l'opinion publique selon l'axe gauche-droite. C'est-à-dire que les proches des partis de gauche considèrent que on n'a pas assez de solidarité, alors que lorsque l'on se situe à droite du spectre de l'échiquier électoral, on a plutôt tendance à considérer que la crainte de l'assistanat est quelque chose d'assez problématique. Néanmoins, lorsque l'on essaye de voir s'il y a des différences au sein des catégories socio-professionnelles, on n'a pas forcément de différences majeures qui se présentent à nous. Donc, que l'on soit employé, que l'on soit cadre, que l'on soit profession intermédiaire, ouvrier, retraité, on va finalement considérer cet enjeu de la même manière. Ce que l'on voit finalement avec cette question de la solidarité, c'est que il y a une vraie appétence des Français pour la solidarité, pour la redistribution, mais à condition qu'elle s'accompagne également de mécanismes qui assurent la responsabilité individuelle à côté de cette solidarité. Là, on a une question posée depuis 2013 qui est les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, et là, on a le taux de personnes qui répondent oui à cette question. Et on voit qu'on a une augmentation assez constante au fil du temps pour arriver à 60% de la population française qui considère que, bon, oui, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et on a toujours tendance à considérer que la question du populisme, c'est-à-dire l'opposition entre des élites considérées comme corrompues et un peuple considéré par essence comme vertueux, c'est vraiment ce qui va séparer l'opinion publique. Et on voit au contraire qu'on a des lignes de fracture majeures au sein du peuple. C'est-à-dire que pour toute une partie de la population qui se considère comme faisant partie du peuple et qui travaille, on a finalement une crainte à la fois de se faire spoiler par les élites, mais aussi de se faire spoiler par des personnes qui profiteraient de la solidarité, qui profiteraient des mécanismes de solidarité. Et c'est pour cela qu'on a finalement cette crainte et cette ambivalence dans la façon dont les Français se positionnent, qui vont être à la fois, disons, extrêmement pour des mécanismes de solidarité, mais ils vont demander également qu'il y ait des garde-fous pour que ces mécanismes de solidarité ne soient pas utilisés de manière totalement abusive. Et à nouveau, lorsque... Comment ? Ok, bon. Lorsque l'on voit la division qu'il y a au sein selon la proximité partisane, on voit qu'on a une différence assez importante à nouveau selon l'axe gauche-droite. Les mêmes phénomènes que ce que l'on observait avec la question précédente, il n'y a pas de différence par rapport à la façon dont on se positionne selon les différentes catégories socio-professionnelles. Donc pour conclure brièvement, ce que l'on peut dire, c'est que ce plan de relance est globalement bien soutenu au sein de l'opinion publique, même si la question de la solidarité demeure assez absente dans la façon dont ce plan de relance va être perçu. Ce n'est pas ce qui va sauter aux yeux en premier lieu lorsque l'on demande aux Français comment ils se positionnent par rapport à cela. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a une meilleure perception de la notion de la solidarité depuis plusieurs années. C'est vraiment une thématique qui tient à cœur pour les Français. Mais néanmoins, on voit également que cette question de la solidarité, elle ne doit pas s'exercer sans contrepartie, parce qu'il y a également la crainte de sombrer dans une société qui donnerait de telles aides sociales sans que ce soit que ça s'accompagne de mécanismes qui préviennent le fait de tomber dans trop d'assistanat. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. C'est un éclairage très utile sur ce qu'on pourrait appeler peut-être aussi le, la préoccupation croissante des questions de solidarité dans la présidence Macron, qui n'allait pas de soi au départ, et qui est à la fois le résultat de la crise peut-être des Gilets jaunes et de la crise sanitaire, mais une politique sociale qui est conditionnée à des responsabilités et à des contreparties. Je vais passer la parole à Jérôme Guedj, qui est aussi un spécialiste des questions de dépendance. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les mesures du plan de relance sur les sujets qu'il connaît bien. Et peut-être que Jérôme pourra nous dire aussi quelques mots sur les thèmes qui ont été un des fils rouges de nos deux autres webinaires, que sont la dimension des collectivités aussi, l'application locale du plan de relance. Jérôme, la parole est à vous. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais rebondir un peu sur ce que nous a dit Antoine, sur un des éléments de la perception, disait-il, du fait peut-être de la présentation médiatique selon laquelle les Français n'ont pas forcément compris que le plan de relance était tourné spécifiquement vers les enjeux de solidarité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé à ce moment-là du plan de relance. Alors, on était à l'issue du premier confinement, on pensait que les choses allaient repartir plus tôt que prévu dans quelque chose de autant que faire se peut, normal, et qu'à ce moment-là, la préoccupation, elle était en gros sur la crise économique et sociale, conséquence de la crise sanitaire, et l'enjeu était de repartir, et donc on était dans une relance à travers un certain nombre d'enjeux d'investissement, avec des filières qui étaient soutenues dans ce plan de relance. Il est question des piles à hydrogène, enfin de choses extrêmement diverses, et c'est peut-être ça qui a un peu transpiré, plus que les questions spécifiquement de solidarité. Et moi, je voudrais commencer par là, en disant qu'il y a quand même un petit paradoxe à ce que, et je vais l'illustrer notamment par la perche que vous me tendez sur les questions relatives à l'allongement de la vie, à la révolution de la longévité, au vieillissement de la population. Il y a un paradoxe à ce que, à l'issue d'une crise sanitaire, qui, d'abord, comme son nom l'indique, était une crise sanitaire, et qui a très largement touché les personnes âgées, qui représentent près de 40% des victimes du Covid aujourd'hui, eh bien, ces deux thématiques, que ce soit la santé ou que ce soit les questions plus spécifiquement du vieillissement, en réalité, elles sont très peu présentes dans le plan de relance. Alors, on pourrait considérer que c'est le choix de dire il y a d'autres sujets prioritaires, mais moi, je veux commencer par pointer ce paradoxe. On a une crise qui a remis les questions de santé publique au milieu des préoccupations. C'était probablement un des grands impensés des politiques publiques. La santé publique, c'était rarement des sujets de débat. Maintenant, tout le monde, on a 66 millions d'épidémiologistes, tout le monde a son avis sur les vaccins, mais c'est le contre-pied de ce qui précédait. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'intérêt sur ces questions-là, sauf sur les questions de vaccins. Antoine le sait très bien pour avoir longuement étudié le vaccino-scepticisme des Français et la réticence un peu structurelle des Français sur les vaccins, mais autant le dire, ce n'était pas des sujets qui défrayaient la chronique. Et donc, on a ce paradoxe, les questions de santé peu présentes dans le plan de relance. Si on regarde mathématiquement les chiffres, on a 6 milliards dans le plan de relance qui sont consacrés à la santé et au médico-social, c'est-à-dire 6% du plan de relance. Mais au-delà des chiffres, parce que dans ce plan de relance, il y a des choses qui étaient prévues auparavant, il y a des choses qui ont été un peu recyclées, il y a des choses qui ont été amplifiées à l'occasion de la crise. C'est plutôt au-delà du seul plan stricto sensu, moi, sur les enseignements et sur la manière dont les choses vont se passer. Je disais, il y a le paradoxe, crise sanitaire et un effet de rattrapage sur l'hôpital, je vais y revenir, et puis surtout, pour une crise qui a touché très largement les personnes âgées, pas de changement de braquet sur le regard que la société porte sur la longévité. Je vais l'illustrer par une seule chose. Au soir du premier confinement, plutôt au début du déconfinement, le président de la République a dit « Nous allons en tirer les enseignements de cette crise et nous allons avoir 3 sujets prioritaires sur lesquels nous allons concentrer nos efforts. » La revalorisation des professionnels de santé. Alors, c'est vrai, ça, c'est pas dans le plan de relance qu'on appelle le Ségur de la santé, c'est-à-dire l'augmentation des salaires des personnels soignants. Et incontestablement, il y a eu un effort significatif qui a été fait, puisqu'on est presque à 8 milliards d'euros de revalorisation qui ont été décidés en juillet, qui vont s'étaler sur plusieurs années. Certaines mesures ont été confirmées hier. Alors, il y a des ratés, il y a des décalages, il y a certaines catégories parce qu'on est sur des métiers très multiples et on va avoir des situations un peu dingues où une aide à domicile qui travaille dans un secteur associatif va bénéficier de la revalorisation quand la même aide à domicile dans le secteur public ou dans le secteur privé de l'aide à domicile ne va pas en bénéficier. Bon, il y a inévitablement, du fait de la pluralité des statuts, des ratés, mais reconnaissons qu'il y a un effort qui a été fait, qui était absolument indispensable sur la revalorisation de ces métiers, en tous les cas du salaire des personnels soignants. C'était la juste récompense des applaudissements qu'on a fait tous les soirs à 20h dans la première phase du confinement. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'on ne continue pas à les réapplaudir en ce moment parce que quand on va faire un tour dans les hôpitaux, on se rend compte qu'ils sont encore plus exténués que lors du premier confinement. Ça, c'est pour le côté santé. Donc, il y a eu le Ségur de la santé. Donc, ça, c'était la première annonce d'Emmanuel Macron. Il a dit, par ailleurs, deuxième enseignement, il faudra qu'on muscle notre politique de recherche. Et il y a des choses dans le plan de relance. Il y a eu très rapidement après le vote de la loi d'orientation sur la recherche. Et puis, il avait dit, le troisième enseignement que je tire, c'est qu'il faudra un grand plan massif de soutien aux aînés. Alors, c'est très intéressant parce que ce plan-là, il l'avait annoncé avant même la crise du Covid, puisque en juin 2018, alors que ce n'était pas du tout un élément qui était dans ses engagements de campagne électorale, d'ailleurs, personne n'avait parlé de vieillissement de la population lors de la campagne électorale de 2017, ce qui est quand même assez révélateur du déni collectif que nous avons sur la longévité, parce que c'est un phénomène massif avec des impacts sur tous les acteurs économiques, sociaux et sociétaux, et le sujet est complètement sous la toise. Mais il avait été rattrapé par la patrouille au début de l'année 2018 parce qu'il y a eu des grèves dans les EHPAD, peu importe, et le sujet était monté sur l'agenda politique, et Emmanuel Macron, de manière assez disruptive, comme il le fait souvent, avait dit « Eh bien, il faut mettre le paquet, on ira chercher l'argent s'il le faut, et donc je ferai ce qui n'a jamais été fait depuis 15 ans, une grande réforme de grand âge et autonomie pour prendre en charge la dépendance. » Et donc, il avait lancé une grande concertation, une grande consultation qui s'était étalée d'octobre 2018 jusqu'au printemps 2019, et donc la loi était annoncée pour la fin 2019. Édouard Philippe avait même dit ce sera la grande mesure sociale du quinquennat, une réforme sur l'accompagnement du grand âge et l'autonomie. Pourquoi je fais ce petit regard rétrospectif? C'est que donc au moment, avec du retard, au début de l'année 2020, où cette loi était sur le point d'être présentée, la crise intervient. Elle souligne les difficultés du vieillissement de la population. Dans les EHPAD, on a vu les difficultés, mais aussi à domicile pour les personnes âgées. En gros, cette crise, elle a remis les fragilités au milieu du village et elle a posé la question du regard que notre société posait sur l'ensemble du vieillissement. Eh bien, patatras, le paradoxe, alors que le président de la République, il annonce le 11 mai qu'il y aura un grand plan pour les personnes âgées, il n'y aura pas, nous le savons désormais, avant la fin du quinquennat, cette grande réforme sur la question de la prise en charge du grand âge et de l'autonomie. Et moi, ce paradoxe, cette contradiction massive ne cesse de m'interroger. Et d'ailleurs, elle se retrouve dans le plan de relance, puisque je vous ai dit qu'il y a 6 milliards au global en investissement sur les questions de santé et médico-sociale. Et puis, si on série, il y a un peu moins de 2 milliards qui sont dédiés spécifiquement en aide en investissement sur les EHPAD pour leur modernisation et pour partie d'entre eux, leur reconstruction. Ça peut apparaître beaucoup, mais si je vous dis qu'il y a quelques années, le commissariat général au plan avait estimé à 14 milliards le besoin d'investissement dans les EHPAD, dont environ un tiers en France ont plus de 45 ans et n'ont pas connu de rénovation significative, vous voyez bien la difficulté et la crise a montré. Je vous rappelle, les EHPAD, c'est 1% de la population française, 600 000 personnes, et ça a représenté 40% des victimes du Covid qui vivaient dans les EHPAD. Non pas qu'il y ait une fatalité, mais c'est que le modèle peut-être des EHPAD, dont on était plusieurs à penser qu'il fallait qu'il change avant même cette crise, a volé en éclats parce qu'il n'était pas adapté ni en nombre de personnel, ni en organisation architecturale de prise en charge. Donc voilà, moi, c'est le principal enseignement et le principal paradoxe, alors même qu'il y a eu une appétence, Antoine le montre bien, en termes de solidarité, si on parle de ces enjeux-là, pendant la crise, on a tous pris la mesure et la conscience que ces métiers du lien, du soin, de la bienveillance, qu'on appelle parfois les métiers du care, étaient absolument indispensables, que c'était ces premiers de corvée qui permettaient, dans les structures médico-sociales, mais aussi à domicile, d'éviter des drames. Et ça s'est bien passé d'une certaine manière. Moi, quand j'ai démarré, j'ai été missionné l'année dernière par Olivier Véran pour travailler sur la question de l'isolement des personnes âgées pendant la période de crise. Je me rappelle très bien ce qu'il m'avait dit. L'inquiétude qu'on avait au début de cette crise, c'était de se retrouver avec la canicule puissance 10. C'est-à-dire qu'au lendemain des 4 semaines de canicule, on avait découvert des personnes âgées isolées chez elles, décédées de la canicule, sans que personne ne soit au courant, parce qu'elles étaient tellement isolées que personne n'avait pris de leurs nouvelles. La bonne nouvelle de la crise qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité formidable. C'est-à-dire qu'il y a eu cette disponibilité du voisinage, des proches. Les maires dans les communes, dans les CCAS ont été admirables d'agilité, d'inventivité pour éviter justement ces situations-là. Donc, on a eu cette disponibilité-là de la société et elle ne se prolonge pas par l'organisation et la structuration pour pérenniser ces efforts de solidarité qui ne peuvent pas être uniquement dans l'urgence. Ça nous a dit quelque chose, par exemple, sur ces questions d'isolement qu'on ne regardait jamais dans les politiques sociales, que la solitude et l'isolement sont des phénomènes sociologiques, sociaux, auxquels les politiques publiques doivent apporter des réponses. Je me rappelle, à une époque, on se moquait de nos amis anglais ou aujourd'hui de nos amis japonais quand ils avaient créé un ministère de la solitude. On regardait ça avec un peu de moquerie. La réalité, c'est que oui, il y a des enjeux de solitude et d'isolement qui ont des retentissements en termes de politique sociale et qui supposent qu'on s'intéresse, et notamment sur l'isolement des personnes âgées. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand vous avez 30% des plus de 75 ans qui vivent tout seuls, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément isolés, mais les petits frères des pauvres nous disent qu'on a 900 000 personnes âgées qui n'ont aucune relation sociale chaque semaine, dont 300 000 en situation totale de mort sociale. Donc ça, soit on le regarde, soit on regarde ailleurs. Et je trouve que le plan de relance, et au-delà du seul plan sur les politiques d'investissement, il ne tire pas les enseignements de ça. Et je vais terminer par une seule illustration. Je vous parlais de ces métiers du lien, du soin, du care, de la bienveillance. C'est quand même assez fantastique qu'alors, au moment où on a une crise économique majeure qui va mettre sur le carreau des dizaines de milliers de salariés dans des secteurs qui peuvent être sinistrés, dans l'hôtellerie, dans des métiers du tourisme, etc. Et qu'à côté de ça, on a un secteur dans lequel les besoins d'emploi sont connus pour les 20 prochaines années. Voilà. Dans le cadre de la réforme dont je vous parlais tout à l'heure ou de la préparation de la réforme, Emmanuel Macron avait demandé à une ancienne ministre, Myriam El Khomri, de travailler justement sur l'attractivité des métiers du grand âge. Donc, on a le diagnostic et les solutions et on a, je vous le dis, aucune des réponses structurées. Par exemple, moi, je m'attendais dans un plan de relance faisant suite à une crise comme celle-là à ce qu'il y ait quelque chose qui dise la priorité, c'est ces métiers du grand âge, formation, recrutement, attractivité, valorisation, perspective de carrière. Et là, on parle de 300 000 emplois. Là, on est sur des micro-négociations picro-collines qui ne sont pas du tout à la hauteur. Il n'y a pas un plan de recrutement sur ces métiers, il n'y a pas un plan d'attractivité, il n'y a pas un plan de valorisation, alors qu'on est sur des métiers non délocalisables, non substituables et absolument indispensables et aussi essentiels en termes d'aménagement du territoire parce qu'on a des vieillissements très différenciés. Ce qui me permet, et je termine par là, de répondre à la dernière question que vous mentionniez sur ces questions de solidarité enseignées par la crise du Covid. Il y a des acteurs, je les ai un peu mentionnés là, qui, eux, pour le coup, ont compris qu'ils allaient être en front line sur ces enjeux. Sur les questions de vieillissement, sur les questions de prise en compte des fragilités, sur les questions d'agilité des réponses à apporter, les collectivités territoriales ont très largement fait la démonstration à l'occasion de cette crise, non pas qu'elles voulaient prendre la compétence santé, mais qu'elles voulaient être les ensembliers sur le territoire, parce que c'est dans le territoire où on est qu'on vit ses fragilités ou son vieillissement, et que les maires notamment, c'est pour ça que je parlais des centres communaux d'action sociale, vont connaître dans les années à venir, j'en suis convaincu, une mutation totale. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent comprendre que cette révolution de la longévité, ce que moi j'appelle une transition démographique aussi importante que la transition écologique ou que la transition numérique. Les deux premiers, tous les acteurs économiques la regardent très attentivement. Je suis sûr que chez Suez, on regarde la transition écologique, bien évidemment, on regarde la transition numérique parce que ça impacte l'activité. Eh bien, il faut regarder avec la même intensité la transition démographique parce que c'est un phénomène qui aura un retentissement sur l'ensemble des acteurs économiques, pour vos salariés, pour les usagers des services que vous proposez. Et je trouve que à l'occasion de la sortie de cette crise, cette prise de conscience de l'importance de la transition démographique, elle n'est pas au rendez-vous et on ne le retrouvait pas dans le plan de relance. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Donc je retiens le paradoxe de l'absence des questions liées à la santé, à la dépendance, aux personnes âgées notamment, pour un plan de relance qui est causé par une crise qui les a touchés en priorité. On a d'ailleurs pas mal de questions sur ces sujets, mais ça je les transmettrai tout à l'heure sur les questions qui sont que vous abordez. Je vais passer maintenant la parole à Emmanuelle Cosse, qui va notamment nous parler de la question du logement. On se souvient que le logement a été dans les plans de relance précédents un élément relativement important, en tout cas présent dans les précédents plans de relance. Il semblerait que ce ne soit pas le cas de ce plan de relance. Emmanuelle, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Henri, et bonsoir à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Alors, peut-être avant de parler de logement, je voudrais quand même parler du sort des plus précaires, parce que, y compris pour faire un peu écho aux chiffres qu'Antoine a donné tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des associations de la grande précarité au moment de la sortie du plan de relance, pour rappeler quand même qu'au final, il y a seulement 0,8% du plan de relance qui concerne les plus précaires. Hein. C'est en gros 800 millions d'euros, c'est absolument ridicule. Et notamment, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce plan de relance n'a pas visé les plus précaires, alors même qu'on avait en fait une aggravation de leur situation en 2019, donc avant la crise du Covid. Et pour vous dire, je ne sais pas trop ce qu'il en sera quand on aura les chiffres sur l'année 2020. Donc quand même, vous avez dit, Henri, tout à l'heure qu'on avait l'impression qu'à l'occasion du plan de relance, le gouvernement mettait en avant des sujets de solidarité plus qu'avant. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. On a vu pendant le premier confinement et pendant la crise sanitaire du premier Covid, enfin de la première crise, on va dire printemps dernier, on a vu une mobilisation, par exemple, extrêmement forte du gouvernement pour qu'il n'y ait pas une seule personne à la rue en France. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de voir à certains moments que le SAMU social avait des places d'hébergement pour toutes les personnes qui téléphonaient et qu'on était vraiment dans une prise en charge quasiment globale des 230 000 personnes qui nécessitent chaque jour, chaque nuit, un hébergement gratuit. Donc, ça a été possible, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté dès juillet dernier. Donc, je veux quand même dire, et en fait, dans le plan de relance, on n'a pas, par exemple, sur la question de l'hébergement d'urgence, sur la lutte contre le sans-abrisme, on a un peu de soutien et d'augmentation de places d'hébergement, mais on ne retrouve pas justement cette ambition très forte qui avait été portée en avril. Donc, il me semble quand même important de le dire, d'autant plus que quand je vous parle des plus précaires, en fait, je vise les 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est quand même très important. Et comme l'a rappelé Jérôme, on peut d'autant plus s'en inquiéter qu'il y a surtout la réforme de l'assurance chômage qui rentre en vigueur au 1er juillet, après une réforme des allocations logement dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a donné du 1er janvier, qui peut évidemment nous inquiéter. Donc, vous dire aussi qu'au moment du plan de relance, donc les associations de lutte contre la précarité ont noté qu'il n'y avait aucune mesure d'ampleur contre le mal-logement, alors qu'on aurait pu attendre que le gouvernement cherche à amplifier ce qu'il appelle le plan logement d'abord, qui est un plan plutôt intéressant pour construire plus d'offres très abordables dans tous les territoires. Et il n'y a pas eu d'amplification. Il y a eu des quelques soutiens, mais pas d'amplification. Et s'ajoute à ça un plan qui, en fait, sur le logement, a évidemment changé le pied avec des plans de relance qu'on a connus par le passé. Alors d'ailleurs, des plans qui n'étaient pas toujours, je trouve, les plus intéressants. Mais c'est vrai que les plans, je pense notamment au plan de sortie de crise après la crise de 2008, on était beaucoup sur la relance par la construction, le soutien au secteur du BTP et tout ça. Là, en fait, si je résume rapidement, on a un plan de relance en fait, qui ne s'intéresse au logement que sur la question de la rénovation énergétique des logements. Alors, c'est évidemment un sujet essentiel, hein. Il y a évidemment rien à dire au fait que le gouvernement décide de mettre 7 milliards supplémentaires pour soutenir les dispositifs comme MaPrimeRénov' ou décide d'aider les bailleurs sociaux à hauteur de 500 millions d'euros pour augmenter la réhabilitation. Mais en fait, c'est extrêmement faible. Pour vous donner un exemple, les bailleurs sociaux, ils rénovent environ entre 150 et 200 000 logements par an. Et là, le plan de relance nous permet en fait d'en rénover de manière supplémentaire autour de 17 000. Donc, vous voyez, on n'est pas à la maille sur nos 5 millions de logements. Je veux dire, on n'est pas dans une amplification, dans un booster dingue. C'est vrai que c'est important parce que c'est 500 millions, mais vous dire aujourd'hui que le booster que représentent les fonds FEDER, par exemple, est souvent beaucoup plus intéressant. Ça, c'est la première chose. Mais alors, ce qui est le plus gênant, c'est que dans un pays qui, quand même, continue à se traîner une très grosse difficulté sur l'accès au logement, avec un débat national constant, enfin, pas assez constant, mais en tout cas, une difficulté des citoyens à trouver un logement à un prix abordable dans les endroits où ils veulent vivre. Il n'y a rien du tout, en fait, sur ce plan de relance, hormis deux aides qui sont autour de 300 millions d'euros, qui concernent la réhabilitation des friches, et une aide aux maires dits densificateurs, maires bâtisseurs, dont je ne connais toujours pas aujourd'hui les conditions d'octroi. Donc, vous voyez, depuis septembre, on a eu le temps quand même de voir les choses. Et donc, ce qui est très inquiétant, mais finalement, ce qui est très inquiétant, c'est qu'à l'occasion de ce plan de relance, le gouvernement n'a pas cherché à changer son point de vue sur les politiques publiques du logement, qui en fait, depuis 2017, on est plutôt sur une absence de politique publique très forte. Il y a eu une volonté de ne plus porter des chiffres d'ambition de construction. Il y a une volonté d'aller essentiellement, en tout cas de faire le portage politique, essentiellement sur les enjeux de rénovation, qui, je le redis, sont nécessaires, mais qui ne font pas tout, et de ne jamais discuter vraiment de l'accès au marché immobilier, de la question de la cherté, de la question de où est-ce qu'on se loge et à quel prix et pour qui. Et en particulier, pour aller dans le sens de ce qu'il disait Jérôme, un des enjeux essentiels qu'on a vu aussi pendant le confinement, c'est où habitent les travailleurs dits de la première, seconde et troisième ligne. Allez, je ne sais pas, nous, on est dans la quatrième ou la cinquième, mais en gros, où habitent par rapport à un centre urbain, une aide-soignante, un magasinier, une caissière de supermarché, un chauffeur ou une chauffeur de taxi, etc., etc. Donc des gens, en fait, qui font tourner constamment le pays. Je pourrais aussi parler des ouvriers, des agents du service public, y compris ceux qui sont en horaire décalé. Des gens qui, en fait, sont essentiels à la marche du pays et pour la plupart ont des salaires qui ne vont pas au-delà du SMIC, il faut quand même le dire. Et en fait, la crise du logement en France, elle touche ces gens-là. Il y a une crise sur l'accès au logement des plus précaires, des gens qui vivent aux minima sociaux et qui sont au RSA, enfin dans des revenus très faibles. Et puis, il y a une seconde crise qui est la plus massive, c'est l'absence de logements abordables pour en fait les smicards. Et les smicards, c'est quand même plus de 60% de la population française. Et donc, justement, moi, ce que j'espérais, et on s'est battu on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux pendant 3 mois, on a fait beaucoup de webinaires il y a juste un an, justement, pour essayer d'échanger avec l'ensemble des acteurs dans tous les territoires là-dessus. On espérait que le plan de relance aurait justement pu permettre de mettre un peu en avant la question de l'accès à un logement abordable, que ce soit un logement social ou que ce soit un logement privé, à prix encadré et maîtrisé. Parce que, au final, ce plan de relance, selon moi, il doit préparer les années futures. Et en gros, en matière de logement, ce qu'on fait aujourd'hui, on va avoir les effets dans 4-5 ans. Et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on aura les effets dans 4-5 ans. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Il n'y a aucune mesure, en fait, qui est liée à la relance de la construction abordable, à des aides supplémentaires pour justement répondre à ces enjeux-là. Alors, c'est d'autant plus dramatique qu'au final, en 2020, on aura eu les plus mauvais chiffres de la production de logements sociaux depuis 15 ans. Alors, ce n'est pas que lié au Covid, il faut être très clair. C'est des chiffres qui baissaient depuis 3 ans et là, on arrivait à un seuil que moi je connaissais pas puisque j'avais jamais connu ça. Et puis on a là des chiffres actuels sur le nombre de permis de construire accordés et puis là, les mises en chantier qui sont plutôt catastrophiques au niveau de l'échelle de notre pays. Et comme je commence à le dire, sans vouloir être pessimiste, c'est que en fait, en n'agissant pas maintenant, on se prépare à une crise du logement en 2025. Mais en fait, il sera trop tard. Et de la même manière que là, on sait qu'il y a des gens, on commence à avoir des chiffres importants sur la destruction pérenne d'emplois liés au Covid. Je lisais encore des chiffres ce matin sur l'Île-de-France avec 100 000 emplois détruits, notamment dans des secteurs, je pense au tourisme, qui ne vont pas, qui ne vont pas reprendre tout de suite et au même niveau. Donc, on sait aussi que on va avoir des gens en difficulté de revenus qui vont avoir besoin de solutions de logements moins chers, plus abordables tout de suite. Et en fait, aujourd'hui, on est incapable de leur répondre. Donc, c'est vraiment un raté. C'est un raté très fort. C'est pas faute d'en avoir parlé, d'en avoir discuté. Et je pense aussi que ça va avec malheureusement l'absence d'avoir l'absence de dialogue continu avec les territoires, parce qu'on voit bien que c'est quand même un sujet très important qui aurait dû être pris en compte. Et donc, c'est vrai qu'à la fin, ce plan de relance, il y a des choses très intéressantes sur plein de secteurs. Il y a des financements qui sont apportés, je pense notamment à des secteurs d'avenir dans les énergies renouvelables, sur les enjeux environnementaux, sur des filières industrielles apportées. Mais malgré tout, on a quand même l'impression qu'on est sur un plan de relance pour les winners, en fait. Pour ceux qui sont déjà des gagnants ou en tout cas qui ne sont pas en grande difficulté et qui sont et pas pour les autres. Et alors pourquoi je vous dis ça, c'est que quand même il y a aussi une deuxième chose qui manque dans ce plan de relance, c'est que quand même cette crise sanitaire, elle a aussi montré qu'on n'était pas tous égaux face aux difficultés sociales en fonction de notre statut professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait des années qu'on a vraiment, on a le statut salarié, si je caricature, et le statut en fait indépendant. On parle beaucoup d'ubérisation du travail et tout ça, mais on a bien vu quand même ce que ça voulait dire pour certains de ne pas avoir de protection sociale pendant cette crise sanitaire. Je pense très important de revenir à des fondamentaux qui font notre société, et ce, depuis 1945. L'enjeu de l'accès à la protection sociale, à une mutuelle, à un chômage partiel, parce que l'État a vraiment mis en place des mesures importantes à ce moment-là, mais sauf qu'il y en a plein qui ne l'ont pas touché. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas accès au chômage partiel parce qu'en fait, ils ne rentrent pas dans les statuts pour l'avoir. Et on voit bien aussi que la question de quel régime de protection sociale est derrière, donc quel type en fait de statut pour celui qui travaille, évidemment se pose. Et de ce point de vue-là, on voit bien que le plan de relance est très peu en fait sur les personnes, très peu sur leur statut. Et c'est vrai qu'évidemment, ça pose beaucoup de questions pour demain, parce que moi, évidemment, ce que je crains, c'est pas tant la situation actuelle, c'est des gens qui vont complètement décrocher et qui vont tomber dans la grande précarité qu'ils n'étaient pas aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus, en fait, les capacités soit à travailler correctement et avec un revenu, soit à, en fait, se loger et payer un loyer correct. Donc, on est aujourd'hui quand même, je pense, dans une absence, et finalement, ce n'est pas obligatoirement des grandes sommes qu'il aurait fallu consacrer, mais le plan de relance, c'est aussi une dynamique, c'est aussi un portage politique, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il n'a pas été assez fort. Et simplement, en conclusion, je veux le dire tout de suite, parce qu'après, je vais oublier, parce que je voudrais quand même juste réagir à un des chiffres sur l'opinion qu'a précisé Antoine, notamment sur la conception de la solidarité des citoyens, qui serait en fait sans contrepartie, avec pour certains une peur que des dispositifs de solidarité amènent un assistanat. Je voudrais redire quelque chose très simple qu'expriment toutes les personnes qui sont dans la grande précarité, et je ne cherche pas à parler à leur place, mais je pense que c'est important de porter leur parole. Il n'y a personne en fait qui veut être assisté quand il est dans la grande précarité. Personne. Je veux dire, ça, c'est une vue d'esprit de ceux qui vont bien et de ceux qui n'ont pas besoin d'aide. Les gens qui sont en grande précarité, ils veulent des moyens pour s'autonomiser et reprendre pied dans leur vie. Ce qui n'est pas du tout une question d'assistanat. Ils cherchent, et c'est vrai qu'ils demandent un soutien pour être ensuite reprendre pied. Mais beaucoup d'entre eux aimeraient s'en sortir par tout seul. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui aujourd'hui en France ne demandent pas les prestations auxquelles ils ont droit. Il y a tellement de non-recours au droit parce que beaucoup de personnes essaient par tout moyen de se trouver, de se débrouiller toutes seules. Et c'est un sujet qui va encore être amplifié actuellement parce que, et moi je le vois bien dans le cadre du logement social avec des gens qui se retrouvent en impayés de loyer, on est maintenant face à des personnes qui en fait gagnaient bien leur vie, étaient totalement autonomes et se retrouvent à devoir demander le bénéfice de dispositifs d'aide caritatifs ou de soutien parce qu'ils sont en décrochage professionnel et salarial et quasiment ils le refusent parce que pour eux, c'est quasiment une déchéance. Donc, je pense que c'est très important de rappeler ça à chaque fois. La solidarité, c'est redonner l'autonomie. C'est en aucun cas l'assistanat et il me semble très important que, même si c'est ce qui est exprimé dans l'opinion, il me semble important toujours de remettre les choses dans le bon sens et de rappeler qu'en fait, aider une personne, c'est lui permettre d'aller de l'avant. Et ce n'est pas, au contraire, la laisser en fait, dans une situation difficile. Merci beaucoup, Emmanuelle. J'ai eu quelques messages de gens qui sont tout à fait d'accord, qui abondent dans votre sens, à la fois sur les oubliés du plan de relance, à la fois sur le fait que la situation, la crise sanitaire et économique a entraîné de nouveaux pans de la population dans la précarité. Voilà. Je retiens aussi que les différentes interventions sont très complémentaires. Est-ce que les uns et les autres, à ce stade, parmi les intervenants jusqu'à maintenant, souhaitent brièvement réagir à ce que l'un ou l'autre a dit? Sinon, on ouvrira aux personnes qui sont présentes là avec nous là pour le moment sur. Je crois que Nicolas Buchou a une question. Est-ce que l'un de vous veut réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent parmi les intervenants? A priori, non. Donc, si on a eu aussi pas mal de choses, des retours aussi sur l'utilité du cadrage et du point opinion d'Antoine. Nicolas, je crois que tu avais une réaction, une question, Nicolas Buchou, sur la question, le monde rural. Oui, bonsoir, Nicolas Buchou. Merci beaucoup pour vos trois interventions. Dis-nous qui tu es, Nicolas. Membre du Cercle Colbert, président du Cercle Grand Paris de l'investissement durable que nous avons créé avec Henri et quelques autres il y a une dizaine d'années, précisément autour de ces problématiques de décalage entre les enjeux de croissance et les enjeux d'intégration, d'inclusion, de solidarité. Juste une question. Là, on est dans un cadrage national sur des problématiques nationales. Quid dans ce contexte des approches, on va dire des approches métropolitaines et de la nécessité peut-être aussi de trouver à travers des politiques de solidarité, à travers des politiques économiques et des projets, des liens qui se renouvellent entre les territoires métropolitains et les territoires ruraux, pas seulement les territoires périurbains des métropoles, mais aussi les territoires ruraux. Si vous aviez des éléments là-dessus, je pense que ça serait intéressant pour aussi la suite des échanges. Et Jacques, on est content que tu nous aies rejoint, mais coupe s'il te plaît ton micro avant que tu prennes la parole. Vas-y Nicolas, vas-y Nicolas. Donc ce point-là et deuxième point qui va avec… dans quelle mesure les priorités en matière d'infrastructure, qu'elles soient physiques, qu'elles soient digitales, pourraient aussi permettre, et dans ce cas-là lesquelles, une forme de nouveaux pactes, de nouveaux liens entre territoires métropolitains, qui seraient un peu ces winners aussi, même si on voit que ce n'est pas aussi simple, et puis les territoires métropolitains, on va dire, moins winners, et les territoires ruraux. Je pense que là-dessus, il y a aussi des éléments en termes de structuration de l'aménagement du territoire très importants. Est-ce que quelqu'un veut répondre, Emmanuelle ou Jérôme, peut-être, sur la question Ouais. En fait, ce n'est pas tant le plan de relance qui pose ces questions-là que je pense déjà le choc de la crise sanitaire et des transformations dans les comportements des gens. Et puis quand même, vous avez bien vu en fait, que depuis 2017, il y a une très grosse tension en fait, entre l'ensemble des corps intermédiaires, et j'ai inclus les territoires et les élus, et le gouvernement. Mmh. Il y a eu une très grande difficulté à travailler, mais surtout les sujets, en fait. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que des territoires inclus dans les métropoles ou à l'extérieur des métropoles veulent, en fait, un nouveau cadrage, un nouveau pacte, si je peux parler ainsi, ça a été beaucoup porté par les associations d'élus, un nouveau pacte, en fait, entre les territoires. Moi-même, quand j'étais ministre du Logement, on avait, alors à l'époque, on était sur une vingtaine de métropoles, puis une quarantaine. Moi, j'étais notamment chargée d'essayer de reconstruire des pactes entre les métropoles et leurs territoires périphériques, voire leurs territoires à l'extérieur, pour essayer, en fait, d'avoir que les métropoles, elles se fassent autour de projets communs, partagés, et notamment de redistribution de la richesse pour tous. Parce que c'est bien un des enjeux, me semble-t-il, c'est que la métropole ne peut pas simplement aspirer les forces de production et les richesses et recracher, en fait, tout ce qui la dérange. Mais on voit bien quand même qu'on a aussi des limites dans tout ça. Et je pense que je reparle de la question du logement. C'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des métropoles, en fait, toutes celles et ceux qui font, une grande partie de celles et ceux qui sont vitaux pour le fonctionnement de la métropole n'arrivent pas à y vivre ou à s'y maintenir. Et ça passe par, en fait, des politiques d'aménagement du territoire et de logement qui sont pas en adéquation avec le revenu des Français, qui restent des revenus quand même, et vous l'avez vu, le revenu médian, on ne peut pas dire qu'il augmente énormément. Et je pense par ailleurs que la situation économique va certainement... peut-être abattre les cartes parce que, par ailleurs, tous les territoires ne vont pas être égaux face à la crise. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les régions ne vont pas avoir le même impact sur la crise. On voit aujourd'hui que l'aéronautique va avoir un impact durable sur la région Occitanie. On voit que l'Île-de-France, qui est quand même une des régions, en fait, qui tire l'ensemble de la production française et du PIB, et je le rappelle, il y a de la péréquation sur l'ensemble de ces richesses entre les territoires. L'Île-de-France aujourd'hui est face à des enjeux de crise extrêmement forts. Il y a d'autres régions qui s'en sortiront peut-être mieux. Et donc, c'est vrai que, à mon avis, ça appelle à rebaser un peu, de reconstruire, des bases. Par contre, ce qui est intéressant, et on l'a vu, et Jérôme le soulignait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup les élus locaux et les territoires qui ont essayé d'être moteurs d'une réponse à la crise sanitaire et qui essaient de l'aide depuis 1 an, et je pense qu'il y a eu des nouvelles solidarités entre eux qui se sont créées. En tout cas, je l'espère, j'essaie d'être un peu optimiste dans la lecture de ces événements-là. Je pense qu'on est un peu sorti parfois de clivages politiques un peu idiots pour essayer de trouver des task forces locales qui permettent de répondre à ces enjeux. Et donc, peut-être que ça peut nous permettre de réinventer des trucs. C'est sûr qu'on a vécu des années où, en fait, c'était métropole contre métropole. Chacun jouait la concurrence pour savoir qui serait le plus attractif par rapport à la Chine. C'était quand même ça, et par rapport à d'autres pays, pays et marchés internationaux. Et là, je pense qu'on se pose évidemment d'autres questions. Ce qui est certain, c'est que l'État doit être quand même là pour compenser, pour faire en sorte que l'intérêt général, il conduit quand même à ce qu'à un moment, les territoires soient aidés et compensés en fonction de leurs difficultés. Et donc, il y a des territoires qui décrochent. Ça fait longtemps qu'ils décrochent. Et la crise ne va peut-être pas les aider. Et de ce point de vue-là, je suis sûre qu'il faut qu'on arrive à avoir un nouveau pacte républicain en leur direction. Merci. Alors, merci beaucoup, Emmanuelle, pour la réponse. Si ça vous convient, peut-être que j'ai vu que Jacques Godron, qui est le co-président du Cercle Colbert, nous avait rejoint. Peut-être qu'il dira un mot tout à l'heure. Je veux peut-être vous transmettre une série de questions qui s'adressent a priori plutôt à Jérôme Guedj. Ou Jacques, tu veux dire un mot maintenant ? Comme tu veux. Je transmets les questions et puis tu dis un mot après. Sur les questions de santé. Qui est le co-président du Cercle Colbert, nous avait rejoint. Jacques, coupe ton micro, s'il te plaît. Je veux peut-être… Jacques, il faut couper le micro. Ou Léo, vous pouvez couper le micro? Voilà. J'ai plusieurs questions qui s'adressent a priori plutôt à Sylvain Salon. Question de Sylvain Salon, qui est directeur général d'un d'une association médico-sociale et qui s'adresse plutôt à Jérôme Guedj, voilà, je vais y arriver, qui nous dit que, attention, les personnels de santé des services de soins infirmiers à domicile sont oubliés, qui nous dit les EHPAD sont ne sont plus le premier souhait des personnes âgées, tandis que le domicile peine à être entendu, reconnu et surtout soutenu, qui nous dit aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui partage tout à fait l'analyse de Jérôme Guedj. Voilà déjà une première série. Vous voulez que je réagisse tout de suite? Oui. Très rapidement, je ne vais pas être long. J'avais pointé en effet que dans le Ségur de la santé, il y avait eu malheureusement des gros trous dans la raquette, des interstices, quoi. Et l'exemple des personnels de santé des SIAT qui n'ont pas bénéficié de la revalorisation est un autre exemple. Et voilà, je trouve qu'on a été un peu… je prends juste un exemple. Vous vous rappelez, au lendemain de la crise, on a dit tous les personnels qui ont été en première ligne doivent avoir une prime. Ah, c'est très bien, donc il y a eu une prime qui a été versée immédiatement pour les personnels soignants à l'hôpital, dans les EHPAD. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des personnels de l'aide à domicile qui avaient été absolument cruciaux. Et là, il n'y a pas eu de prime décidée immédiatement. Il a fallu 3 mois de discussion entre l'État et les départements pour annoncer le principe d'une prime. Et elles sont variables d'un département à l'autre en France. Voilà, donc ça ne va pas. Voilà. Et c'est plutôt révélateur que souvent les questions médico-sociales et encore plus le domicile sont les parents pauvres de l'approche globale en santé. Alors, c'est normal, hein, les services d'urgence et d'excellence à l'hôpital sont cruciaux, mais on a aussi besoin du médico-social et du secteur du domicile. Non, là où je veux rebondir plus longuement, parce que ça va faire le lien, y compris avec ce que nous disait Emma Cosse, c'est que je suis absolument d'accord. Les EHPAD sont morts, vivent les EHPAD. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'on se disait que le modèle de l'EHPAD devait changer. Et la crise n'a fait qu'accentuer la nécessité d'avoir des établissements plus médicalisés et avec du personnel plus nombreux et plus en lien avec les structures hospitalières et puis plus ouvert sur son environnement. Alors donc, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent des EHPAD, mais pour autant, on ne pourra pas se passer des EHPAD. Aujourd'hui, on va dans ces établissements parce que le soutien à domicile n'a plus été possible. C'est ça que je dis souvent, les EHPAD sont morts, vivent autre chose qui restera toujours une structure médicalisée, lieu de vie, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si on veut vraiment que le domicile, ce qui est la volonté de 90% des Français de vieillir chez eux, si on veut vraiment que le domicile le permette, alors il faut intégrer dans l'offre de logements nouvelles à produire, dans l'adaptation des logements existants, cet enjeu-là. Et Emma le sait très bien, que ce soit dans le parc social ou que ce soit plus largement dans la production de logements, la prise en compte de la longévité et donc des conséquences que ça doit avoir. Aujourd'hui, on n'a que 7% des logements français qui sont adaptés au vieillissement. Et donc, on va avoir des gens qui vont mal vieillir parce que, et c'est crucial, toutes les études le montrent, l'endroit où on vit est déterminant sur la qualité du bien vieillir. Et donc, si on ne veut pas avoir une crise du vieillissement liée à des logements inadaptés, il faut que, dans la production nouvelle de logements, on intègre ça. Et plus largement, et là, ça renvoie à la question des territoires et ce que j'évoquais tout à l'heure sur les maires, qu'on comprenne bien qu'il faut désormais que la société s'adapte à ce vieillissement. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un secteur qui ne va pas être impacté. Dans la décennie 2030-2040, c'est-à-dire demain matin, on va doubler le nombre de plus de 85 ans en France. On va passer de 2 millions à 4 millions, comme ça en 10 ans. Ça ne s'est jamais produit. Ça va donc forcément se voir. Cette massification de personnes en situation de fragilité, elle pose des questions aux élus locaux. Où est-ce que je mets des bancs? Quel type de parcours résidentiel je propose? De formules intermédiaires entre l'endroit, mon chez-moi, qui n'est pas adapté à mon vieillissement, dans lequel je suis isolé, et naturellement, je ne veux pas aller dans un EHPAD, je n'ai pas de raison d'y aller, j'en ai même pas besoin. Il faut qu'on me propose des solutions, de la pension de famille, de la colocation, de la résidence intergénérationnelle, bref, qu'on intègre ça dans l'offre de logement. Et je le dis, bah, moi, je ne vois pas de changement de braquet. C'est pour ça que moi, je plaidais non pas pour une loi grand âge et autonomie, mais une loi panoramique sur l'impact de la longévité. C'est pour ça que je fais souvent la comparaison entre la transition démographique et la transition écologique. Ça impacte tous les compartiments du jeu. Et quand des maires se posent la question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, il faut qu'ils le fassent de manière 360. Le vieillissement sur un territoire, c'est plus que l'affaire du CCAS et du maire aux solidarités, du maire adjoint aux solidarités, c'est l'affaire du maire adjoint au transport, du maire adjoint au logement, du maire adjoint au sport, à la culture. Parce que, et je termine par là, cette longévité et cette massification, je cite souvent, et donc je vais le faire devant vous, Claude Lévi-Strauss à la fin de sa vie, qui disait que, dans une conférence au Collège de France, qui disait que l'allongement de l'espérance de vie, donc cette révolution de la longévité, était un phénomène anthropologique aussi signifiant, aussi important que l'avait été la sédentarisation au néolithique. C'est-à-dire que la cohabitation de 4 générations et le fait qu'on va avoir des populations qui vont vivre dans des états de fragilité 10, 15 ou 20 ans, fait que on doit changer de paradigme et considérer que la société s'adapte à la fragilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on impose les canons dominants de nos sociétés, c'est-à-dire la rapidité, la performance, la vitesse, l'immédiateté, alors que cette massification du vieillissement doit plutôt réintroduire ou introduire dans nos sociétés des valeurs de sobriété, de tempérance, de sagesse et de lenteur. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'on gagnera à introduire ces éléments dans l'ensemble de nos actions. Jérôme, avant de donner la parole, je crois que Jacques a des problèmes techniques, c'est d'habitude ça fonctionne toujours parfaitement, mais donc on va attendre un peu que ce soit réglé. Léo, Léo qui s'occupe qui est doctorant en Italie et qui s'occupe de la partie technique de notre conférence, nous dit pour Emmanuel qu'il a un camarade qui fait une thèse dans la même structure que lui sur l'adaptation comment les États-providence européens s'adaptent aux emplois ubérisés. Voilà, juste une petite, je vous glisse ça, je fais l'intermédiaire en passant. Et je vais donner la parole à Soraya Jebari, qui est membre du conseil d'administration du Cercle Colbert, qui est cadre territorial spécialisé dans les politiques publiques et qui est aussi conseillère municipale, pas au même endroit évidemment. Voilà, Soraya, la parole est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, merci Henri. Alors effectivement, toutes les interventions qu'on a pu entendre sont totalement complémentaires et font sens. Je rejoins Monsieur Jérôme Guedj lorsqu'il explique effectivement combien les collectivités territoriales et particulièrement locales ont été en première ligne face à ces problématiques sociales et spécifiquement de vieillissement par le biais des centres communaux d'action sociale. Et c'est vrai que ça pose véritablement des questions aujourd'hui au sein des mairies tout simplement en termes de santé et de comment penser collectivement une construction pérenne autour de ces problématiques. Et ça pose également la question des aides de l'État via les agences régionales de santé qui aussi ont toute finalement légitimité à accompagner les collectivités locales en ce sens. Et de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est vrai que c'était beaucoup moins le cas ces dernières années. Ma question plus spécifique, elle s'adresse à Emmanuel sur la question du logement. Moi, dans le cadre de mes fonctions, je m'occupe particulièrement des quartiers politiques de la ville. Donc, effectivement, cette question du logement se pose très souvent. Et dans le cadre de la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, il est préconisé un certain nombre de pourcentages à respecter par les communes en termes de construction de logement social. La ministre au logement en décembre 2020 s'était exprimée, notamment concernant un durcissement des sanctions pour les communes qui ne respectaient pas ce cadre-là, en donnant la main au préfet pour notamment signer des permis de construire. Emmanuel évoquait notamment cette crise de logement, du logement à l'horizon 2025. Et moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce durcissement de sanctions pourrait être un bon moyen pour les collectivités de respecter les quotas et de construire du coup beaucoup plus de logements? Et est-ce que ça pourrait être du coup une première solution? Et mon autre question, c'est notamment via la rénovation urbaine. Donc il y a des discussions autour du futur programme. Est-ce que pour vous, ça peut être une marge de manœuvre suffisante pour quelque part, peut-être pas éviter cette crise, mais en tout cas la neutraliser plus ou moins? Merci. Alors, je rebranchais mon volume. La loi SRU, comme vous le dites, on a fêté ses 20 ans il y a quelques mois. Le principe de la loi SRU, qui date donc du début des années 2000, c'est de dire que dans tous les bassins en fait, de vie assez importants, il faut atteindre 25% de logements sociaux ou 20% en fonction de la taille des communes. Et en gros, l'objectif qui était voulu à l'époque, c'était de s'assurer que dans toutes les grandes villes et les bassins de vie importants, on puisse avoir toujours une offre abordable de logements. Parce que le logement social, je vous le rappelle, c'est des loyers qui vont entre 5,30 € du mètre carré et maximum 11 €. Donc, on est quand même très, très loin des marchés libres. Et puis, il y a des obligations de logement, c'est-à-dire que donc, les ménages rentrent dans le logement social avec des conditions de ressources. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est au minima social peut rentrer sous certaines conditions dans le logement social. Donc, et ce n'est pas que le logement des personnes les plus pauvres. Le logement social français, c'est un logement à vocation universelle et qui a donc à l'ambition de loger, en fait, je dirais, les classes sociales basses, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire, en fait, des gens qui gagnent jusqu'à le SMIC et le SMIC plus 10%. En gros, je résume un peu pour essayer de simplifier. Et donc, c'est notamment le logement social en France a été produit notamment pour loger en fait les ouvriers quand ils arrivaient dans les villes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment un des enjeux. Et aussi de sortir tous les gens de l'habitat insalubre et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit 20 ans plus tard? Cette loi, elle a été formidable parce qu'elle a vraiment, par la sanction et par l'obligation, elle a permis de maintenir du logement social et d'en produire. Ce qui explique par exemple aujourd'hui qu'à Paris, il y a 22% de logement social. Et ça explique aussi que Paris est une des rares métropoles internationales qui a encore du logement abordable. Si vous comparez avec l'ensemble des autres métropoles du même niveau, ce n'est pas le cas. Et on le voit bien parce que, par exemple, Londres, le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, essaie par tout moyen de réinjecter du logement abordable pour y loger notamment les travailleurs essentiels, les key workers dont on parle. Mais il y a aussi, et c'est l'énorme problème, c'est que depuis 20 ans, cette loi a été extrêmement critiquée. Il y a eu des offensives continues, et ça continue là, à chaque fois qu'il y a un débat sur la présidentielle, il y a une offensive en fait pour supprimer cette loi. Et on a des communes qui refusent toujours de l'appliquer. Alors, la ministre a dit en décembre dernier qu'elle voulait la durcir et tout ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut. On peut déjà prendre les permis de construire, le préfet peut déjà le faire. Je l'ai d'ailleurs, moi, mis en œuvre lorsque j'étais moi-même ministre. Ça crée beaucoup de tensions avec les élus locaux, mais c'est ça. On peut aujourd'hui prendre l'ensemble des pouvoirs d'urbanisation, prendre l'ensemble des pouvoirs d'attribution du logement social sur la commune, etc. C'est simplement aujourd'hui une question de volonté politique. Et c'est très dur. Vous avez des communes qui... Alors, je ne parle pas de toutes petites communes qui ont des sujets de foncier, qui... sont confrontés par ailleurs à des problèmes d'application de la loi littorale, etc. Mais vous avez des communes qui ont toujours moins de 10% de logements sociaux, je parle de communes de plus de 50 000 habitants, et qui pourtant ont construit des milliers de logements depuis les années 2000. Donc, en fait, elles ont volontairement pas voulu construire ces logements, et ça pose évidemment des problèmes très importants, parce qu'en fait, dans ces communes-là, il n'y a pas du tout d'offre sociale, alors que, comme vous l'avez dit, il y a des territoires territoires qui, eux, par l'histoire en fait de la construction et des histoires d'aménagement du territoire des années 50, 60, 70, ont parfois plus de 60-70% de logements sociaux dans leur territoire. Et donc, on a en fait des injonctions du gouvernement à des villes de leur demander de faire plus de mixité sociale, d'arrêter d'accueillir des pauvres, parce que c'est ce qu'il leur est dit. Et en même temps, très souvent, on a des ménages pauvres dans certaines villes parce qu'il y a en fait des loyers bas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, cette bataille sur une meilleure répartition du logement social, c'est le meilleur moyen, en fait, de ramener de la mixité et que donc, on n'ait pas des territoires qui soient en fait spécialisés, soit dans l'accueil de la pauvreté, soit dans l'accueil de la richesse. Parce que moi qui regarde beaucoup les territoires, notamment les territoires franciliens, puisque je suis élue locale, vous avez aussi des territoires qui sont spécialisés dans l'accueil des gens qui payent des impôts de manière très élevée. Et ça se fait beaucoup par la politique d'aménagement du territoire et de la politique immobilière. Donc, c'est certain, Soraya, pour répondre à votre question, que plus on appliquera la loi SRU, plus elle permettra de ramener cette mixité et de répondre à des enjeux. Mais ça ne suffira pas. Il faut quand même le dire aujourd'hui. On estime aujourd'hui qu'il y a des besoins de logement. On dit qu'en gros, il faudrait produire par an 150 000 logements sociaux pour essayer, 150 000 logements sociaux par an pendant plus de 10 ans. Pour commencer à vraiment baisser la forte pression sur la demande. Et on parle en gros de 500 000 logements à construire par an pour répondre aux besoins en logement et aussi aux logements qui sont démolis en raison de leur vétusté, réhabiliter, tout ça. Et en fait, on en est loin. Même si, par rapport à d'autres démocraties européennes, on produit plutôt plus, néanmoins, on se traîne une crise d'absence de logements abordables depuis plus de 40 ans. Et donc, en fait, la crise a évolué en même temps que le pays a évolué, que la population a grandi. Mais c'est vrai qu'en raison de tout ça, on est constamment à courir derrière des priorités. Et ça touche aujourd'hui tout le monde. Jérôme a parlé de la question de l'accès au logement pour les seniors. Et typiquement aujourd'hui, le fait, y compris qu'on ait des personnes qui vont dans des EHPAD ou dans des structures médicalisées, c'est pas simplement parce qu'elles perdent l'autonomie, c'est aussi parce qu'en fait, on est très en retard sur la construction de logements, on va dire, adaptés au vieillissement, qui évoluent avec la personne. Et aussi parce que, voilà, simplement, il y a des gens qui habitent avec, qui ont un escalier, un étage. Le fait qu'elles ne puissent plus le descendre, parfois, elles sont obligées de déménager pour cette raison. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà. Et on est très en retard, même de manière assez archaïque. Et c'est vrai que moi, je veux rappeler aussi que, aujourd'hui, l'absence de logements abordables, donc c'est-à-dire avec des loyers bas, a un impact réel sur la question de l'emploi. Typiquement, dans des régions très attractives comme l'Île-de-France, il y a eu plusieurs études qui ont été faites par la Chambre de commerce et de l'industrie qui montrent que des emplois de tout type ne sont pas pourvus parce qu'il y a une faiblesse de l'offre de logement et qui est en adéquation. Donc, c'est des enjeux très importants, y compris pour la relance d'une économie dans une période finalement de crise. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en effet, appliquer la loi SRU de meilleure manière, ça sera bien mieux. Encore faut-il que l'État fasse pression sur ses préfets. Ce n'est pas toujours le cas dans la période, mais ça ne suffira pas. Il faudra quand même derrière avoir un débat politique plus large sur est-ce que le droit à la ville existe et en tout cas, comment, pour le dire plus simplement, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une place pour chacun dans un territoire ? Si je pose cette question, c'est qu'on a quand même eu les élections municipales où on a vu quand même une montée très forte des individualismes dans ce qui a été exprimé, avec dans beaucoup de territoires des élus, mais en fait les élus expriment très souvent ce que disent leurs concitoyens et leurs électeurs, des élus très opposés à la construction de logements, qui bloquent des projets, qui ferment des projets. Et moi, je veux reposer la question parce que c'est un des enjeux, me semble-t-il, important de ce qui fait société, de ce qui fait le lien entre nous. C'est est-ce qu'on peut fermer un territoire à un tel en fonction de son revenu? Et ça va être ça, en fait, l'enjeu du logement dans les mois qui viennent, c'est de reposer cette question-là parce qu'aujourd'hui, on a des travailleurs qui, en fait, n'ont pas le droit, de fait de leur revenu, de travailler là. Et pourtant, il faut tourner le pays. Et c'est pour ça, je m'excuse de me répéter, mais vraiment, moi, ce qui je trouve une très grande indignité, c'est ces aides-soignantes qui s'occupent de nos aînés tous les jours et qui n'ont pas le droit d'habiter à côté de chez nous parce qu'il n'y a pas de logement au niveau de leur revenu. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas en fait continuer comme ça. Si on n'agit pas fortement là-dessus, on va se retrouver avec ces systèmes qu'on connaît bien dans des villes américaines et anglo-saxonnes. Vous savez, on parle de la centrifugeuse sociale et en fait de l'éloignement de l'ensemble des salariés essentiels des centres des métropoles, et avec des impacts sur l'emploi et sur le lien de société énorme. Et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, hein. Dans cette crise, il y avait cette expression qui était évidemment là. C'est pour ça que le plan de relance aurait pu, à mon avis, porter des mesures là-dessus, mais ils n'ont pas souhaité le faire pour des tas de raisons. Merci beaucoup, Emmanuelle. Je vous propose, on va se diriger lentement vers la fin et la conclusion. Ça fait déjà 1h30 que nous discutons. Je vous propose de vous transmettre les différentes réactions et questions que j'ai encore. Peut-être qu'Antoine, qui n'a pas parlé, veut réagir à quelque chose qui a été dit par rapport aux éléments qu'il connaît. Je ne sais pas, Antoine. Et puis après, je donnerai la parole à Jérôme, qui doit être parmi nous pour un mot de conclusion, peut-être en reprenant les éléments des questions que je vais vous transmettre. Donc on a un commentaire de Françoise Larpin qui nous dit: ne pas oublier qu'il y a un niveau de pauvreté très élevé au sein des métropoles. Ensuite, j'ai une question d'Agnès Petit qui nous dit: quels seraient les métiers du grand âge auxquels vous pensez? Ensuite, j'ai une question de Laurence Beaulieu qui nous demande: les associations de lutte contre la pauvreté ont un rôle crucial d'aide et de vigie. Comment expliquer qu'ATD Quart-Monde soit mis à la porte du Conseil économique et social? J'ai une question de Bastien Gilles qui nous demande: pensez-vous vraiment que le service civique peut épauler efficacement les tissus associatifs des territoires dans leurs projets contre la pauvreté, pour l'aide à l'emploi, etc. Et j'ai une dernière question, commentaire de Christine Morel-Maroger qui nous dit: et aussi repenser avec cet allongement de la durée de vie les solidarités intergénérationnelles. Voilà. Donc, je vous propose, si ça convient à tout le monde, que Jérôme reprenne les éléments auxquels il souhaite répondre et nous dise un mot de conclusion. Antoine, peut-être en attendant, peut-être que si vous voulez réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, peut-être juste rebondir sur ce que disait Emmanuelle dans sa première intervention, je crois, sur le fait que les personnes qui étaient vraiment en situation de précarité, en situation de pauvreté, elles ne se considéraient pas comme des personnes assistées, elles avaient vraiment envie de s'en sortir, etc. Et je pense que c'est extrêmement vrai comme situation, le fait de vouloir vivre seulement des subsides sociaux et de ne pas vouloir retrouver un emploi, ce genre de choses. Ça concerne vraiment une minorité de la population. Mais néanmoins, ces chiffres-là où on voit la crainte de l'assistanat, etc., ça traduit également un cadrage médiatique qui peut être mis en place sur ces questions-là. Et autre point également sur lequel je voulais insister, le fait que finalement, l'insécurité sociale, ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont dans des situations de difficulté, qui sont effectivement dans des situations de précarité, mais également des personnes qui ont l'impression que le futur peut être plus compliqué que le présent. Et on voit d'ailleurs, c'était une question qui était assez intéressante sur: est-ce que vous pensez que la situation de vos enfants sera meilleure ou pire que celle que vous avez aujourd'hui? Il y a 3/4 des Français qui répondent que la situation de leurs enfants sera pire que la situation que la leur. Donc ça traduit bien le fait qu'on est vraiment dans une période d'incertitude où c'est pas seulement le fait de vivre concrètement une situation précaire qui pose problème, mais c'est vraiment la crainte d'être mis finalement demain dans une situation qui serait extrêmement problématique. Merci Antoine. Je crois que Jacques a résolu son problème technique. Oui ou non? Oui, je crois que oui. Jacques, si tu souhaites nous dire, je crois que tu as un problème d'écho très fort qui t'empêchait de suivre. C'est bon, ça fonctionne. Tu as la parole. Merci Henri. Oui, je voulais simplement dire deux choses. Un, souligner l'intérêt des interventions et remercier les intervenants qui sont nombreux. Et c'est vrai que l'angle proposé ce soir de regarder ce plan de relance sous l'angle de la solidarité, c'est à la fois original, j'allais dire malheureusement, mais c'est très riche paradoxalement. Alors j'avais une remarque quand même à faire. Ce plan de relance, j'ai l'impression qu'il est très keynésien et qu'il parie sur un choc de création marginale d'offres, d'activités, d'emplois, et que, on pourrait rajouter malheureusement, la solidarité est espérée dans un deuxième temps. Et j'ai l'impression que le pari de ce plan de relance, c'est un, créons de l'activité, et deux, s'il y a un surcroît, elle sera redistribuée. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, et il y a plein de débats là-dessus, et ce n'est pas ce soir qu'on réglera la question, mais j'ai l'impression que, sans vouloir paraphraser, il est difficile sans doute de faire en même temps du keynésianisme et en même temps de la solidarité immédiate. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent notamment les politiques. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois et en même temps? Moi, pardon, hein, j'ai eu une petite urgence téléphonique, donc j'ai dû prendre une seconde mon téléphone. Mais je trouve que c'est la bonne manière de présenter les choses. Si on considère que la solidarité est un investissement social, je prends les termes utilisés par la Fédération des solidarités, Louis Gallois se plaisait à dire « la solidarité est un investissement ». Si on est dans une logique, celle que nous présentait Antoine en disant « toutes les dépenses de solidarité, c'est de l'assistanat », etc. Quand je vous dis que quand on met 1 € d'argent public sur la dépendance, on génère quasiment 2 à 3 euros de dépenses privées des ménages ou des acteurs. Donc, on est sur des effets de levier qui sont quand même extrêmement forts. Quand on met 1 € d'investissement, c'est pour ça que parfois, quand on dit on va accroître la dépense publique. Il y a une question qui était, c'est quoi les métiers du grand âge? Les métiers du grand âge, c'est des métiers dans lesquels il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de qualité des métiers. Il faut vous rendre compte que les aides à domicile, je pense beaucoup à elles, il y a près de 300 000 en France, c'est le lumpen prolétariat des temps modernes. Ce sont les derniers salariés en France qui sont payés à l'heure. La réalité, c'est que vous êtes intermittent de l'aide à domicile. Vous êtes payé uniquement quand vous arrivez au domicile de la personne. Vous avez des déplacements d'un endroit à l'autre qui vous sont, quand ça fonctionne, certaines associations des domiciles ont des véhicules, mais sinon, c'est l'indemnité kilométrique, sinon, c'est du transport. Enfin, mettre du salariat à temps. Vous vous rendez compte qu'une aide à domicile en France, il faut attendre en moyenne 17 années d'activité pour atteindre le SMIC. Et que la plupart d'entre elles… Donc c'est la raison pour laquelle ces métiers ne sont pas attractifs. Et donc, du coup, quand on va se retourner avec cette massification du vieillissement et qu'on n'aura personne pour s'occuper des personnes âgées à domicile, c'est-à-dire vous tous autour de la table, et moi le premier, on va avoir besoin dans 20 ans de personnes qui vont nous aider au moment où on sera fragile, parce qu'on aura certes nos aidants naturels que sont nos enfants, etc., mais tout le monde n'a pas d'enfants, il y a parfois de l'éloignement géographique, etc. Donc, quand je dis que c'est un investissement social, ce n'est pas la dépense publique qui d'ailleurs, voilà, il y a un effet de démultiplication. Et donc, pour répondre à votre question, on peut faire de la solidarité. Enfin, la solidarité est une dépense keynésienne. Injectée dans ces secteurs, c'est immédiatement. Et en plus, c'est une dépense à utilité sociale quand même extrêmement forte. Et c'est l'autre point, moi, que je voulais dire un peu en conclusion, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une disponibilité pour les enjeux de solidarité. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire que sur une société de la bienveillance, l'État stratège, la puissance publique stratège ou organisatrice comme les élus locaux, on les a évoqués tout à l'heure, ils doivent être ceux qui sont capables d'entraîner de la disponibilité qui existe dans la société, le bénévolat, les solidarités de proximité, de voisinage, sont quand même des choses dont on s'est rendu compte qu'elles avaient leur utilité, qu'elles étaient absolument incontournables dans la crise qu'on a vécue, et que si on arrive aussi à les organiser, à les structurer au-delà d'une situation de crise, je pense qu'on aura fait œuvre utile. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. C'était le mot de la fin. Merci encore à tous les intervenants, à Emmanuelle Cosse, à Antoine Bristielle, à Jérôme Guedj, à Maximilien Pellegrini, à ceux qui ont contribué en direct avec nous, ici, Soraya, Nicolas, etc. Merci beaucoup à la Fondation Jean Jaurès, à Gilles Finkelstein, à Jérémy Pelletier qui a eu la bonne idée de faire appel à vous trois. Et je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré, sera en ligne dans pas très longtemps sur la chaîne YouTube du Cercle Colbert, et que si la Fondation Jean Jaurès, Jérémy, si tu peux nous aider à la diffuser sur le site de la Fondation, sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux et les vôtres, ça serait une excellente chose. Voilà, elle va être en ligne dans pas longtemps, normalement c'est assez rapide. Encore une fois, merci à tous. J'ai eu que des échos positifs sur le débat qui est à la fois nécessaire et passionnant. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci Henri, merci à tous.